Bonjour à tous. Salut les enfants. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons célébrer Dieu en famille. Je vous présente Nolan, que vous connaissez déjà. Et moi, je vous présente Joël. C'est mamie. Dis-moi, Nolan, aimes-tu les animaux? Oui. Alors, dis-moi quel animal appelle-t-on le roi de la jungle? Le lion. Bonne réponse. Allez, maintenant que nous sommes bien installés, ça peut commencer. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'Emmanuel. Non, t'as dit mon prénom là. J'ai bien entendu, on va parler de moi. Moi, je vous dis, je suis trop une star. Atterris Emmanuel. Allô, reviens sur Terre. On va pas parler de toi, on va parler de Dieu. Mais t'as dit Emmanuel, pourtant. C'est bien ça. Et d'ailleurs, tu sais ce que ça signifie, Emmanuel, en hébreu ? Non. Dieu est avec nous. Dans la Bible, il existe de nombreuses histoires où Dieu manifeste sa présence. Elles parlent de Jésus qui fait des miracles. Des gens sont sauvés, des personnes que Dieu a guéries, que Dieu a protégées. Et tiens, si on allait découvrir une de ces histoires ? Mais avant ça, je te propose que l'on regarde un reportage. Salut à tous, je m'appelle Nessia. Je vais vous parler du roi de la jungle, le lion. Malgré son surnom, les lions ne vivent pas vraiment dans la jungle. Ils vivent dans des prairies et des savanes, là où il y a beaucoup d'ombre et de l'eau. Les lions africains les plus connus se trouvent surtout en Afrique au sud du Sahara. Par contre, les lions asiatiques vivent dans la forêt de Gir en Inde. Les lions d'Afrique sont les plus sociaux de tous les grands félins. Ils vivent en groupes appelés meutes. Ces groupes se composaient généralement de 10 à 15 lions. Les mâles sont beaucoup plus grands que les femelles. Ils ont leur fameuse crinière qui couvre leur tête, leur cou et s'étend sous leur ventre. Les mâles et les femelles travaillent ensemble pour le bien du groupe. Les femelles font 85% à 90% de la chasse. Les mâles patrouillent sur leur territoire et protègent leur meute. Les femelles chassent pour se nourrir du matin jusqu'au soir. Elles n'hésiteront pas à prendre la proie d'un autre. Les lions ont de nombreuses caractéristiques physiques qui sont idéales pour la chasse. Les lions ont une excellente vue. Elle est 6 fois plus précise que celle de l'humain. C'est un avantage pour chasser la nuit. Les lions contrôlent bien leurs longues griffes. Ils peuvent atteindre 80 km/h. Ils peuvent sauter jusqu'à 11 mètres de long. Cela fait d'eux des chasseurs exceptionnels. Ils ont besoin de manger tous les jours. Ce sont des carnivores. Ils ne mangent que la viande. Ce sont des prédateurs redoutables lorsqu'ils ont faim. Merci de m'avoir écouté. Ce Daniel vivait dans un pays gouverné par un nouveau roi, nommé Darius. Daniel était l'ami du roi Darius. Mais d'autres hommes étaient jaloux de l'amitié qui existait entre Daniel et le roi. Alors ces hommes ont conçu un plan pour se débarrasser de Daniel. «
Nous implorons votre majesté de donner l'ordre à vos sujets pendant tout un mois de ne prier pour aucun autre dieu hormis vous. Et si quelqu'un venait à désobéir, nous le jetterions dans la fosse au lion. Le roi accepta de proclamer l'ordre. Mais un seul homme allait désobéir à cet ordre. Daniel. Pourtant, Daniel admirait Darius, mais il savait aussi que Darius n'était qu'un homme. Alors, en juif fidèle, il continua à se tourner vers l'ouest, en direction de Jérusalem. Il continua à prier notre Dieu, comme il l'avait toujours fait. Votre ami juif Daniel vous résiste, votre majesté. Il ignore et désobéit à votre ordre, et il continue à prier son Dieu. Arrêtez Daniel. Dieu te secourir, mon ami. Darius resta éveillé toute la nuit, s'inquiétant pour son ami. Darius était certain que Daniel avait été dévoré par les lions. Mais quand il regarda au fond de la fosse... Daniel, est-ce que ton Dieu t'a secouru ? Longue vie à votre majesté. Je n'ai jamais cherché à vous nuire. Mon Dieu a empêché les lions de me dévorer. Darius fit arrêter ceux qui avaient accusé Daniel. Et ensuite, il retira son ordre et autorisa son peuple à prier pour notre Dieu. Eh bien, quelle histoire ! Moi, j'ai eu peur que Daniel se fasse dévorer par les lions. Parce que les lions, ils étaient dans la fosse avec Daniel. Ils ne pouvaient pas sortir pour aller se nourrir. Ils devaient avoir super faim. Heureusement que Dieu était avec Daniel. On a pu voir dans ce récit que Dieu est intervenu et a protégé Daniel. Daniel, c'était un jeune garçon qui aimait prier tout le temps Dieu. Il recherchait toujours la présence de Dieu. Et grâce à sa confiance et son amour pour lui, il a échappé à la mort. La Bible est remplie d'histoires comme celle-ci. D'ailleurs, les disciples, les amis de Jésus, eux qui marchaient tout le temps avec lui, ils ont pu vivre aussi de grands miracles. Et tu sais pourquoi ? Car Jésus était avec eux. Et tu sais ce que Jésus leur a dit avant de rejoindre son Père dans le ciel ? Soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, oui, regarde, c'est écrit là, dans la Bible. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. Soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je veux chanter et louer Dieu parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et dans toutes les circonstances, je veux le louer et le chanter chaque jour. Et toi aussi, tu peux louer Dieu quand tu es dans la joie, quand tu es triste et même si tu as peur, Dieu est toujours là. Alors, louons-le ensemble. Ma route, où est ma vraie place? Oui,
Comme j'aime ces temps où on loue et on chante ensemble, franchement, c'est trop 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 bien. Et en plus de ça, Dieu aime quand on loue de tout son cœur. Oh, j'ai entendu sonner. Ne bougez pas, je vais aller voir qui c'est. Bonjour, j'aimerais savoir si Dieu est avec nous, pourquoi on le voit pas? Attends. Je vais aller te chercher quelqu'un qui pourra te donner quelques explications. Merci pour cette question. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Moi, je suis comme cette loi. Je ne crois en ce que je vois. Est-ce biologique? Qui a déjà vu l'oxygène qu'il respire? Le vent ou l'électricité? Et pourtant, nous respirons l'air qui nous entoure sans en avoir conscience. Nous voyons les effets du vent, notamment quand les branches des arbres bougent. Et nous savons qu'il y a de l'électricité. Quand nous appuyons sur le bouton de notre ordinateur et qu'il s'allume, mais nous ne pouvons pas voir ces choses. Et pourtant, nous sommes convaincus que tout cela existe bel et bien. C'est également le cas pour Dieu. Dieu est invisible. C'est un esprit. Mais nous pouvons voir ce qu'il a fait si on remplit un ballon d'air. On ne voit pas l'air, mais nous voyons le ballon gonfler au fur et à mesure que l'on souffle dedans. Plusieurs personnes disent, si je vois Dieu avec mes yeux, je croirai. Est-ce vrai? La réalité, c'est que nous avons les traces de Dieu dans la création, dans la nature. Si nous regardons autour de nous, les animaux, les fleurs, les arbres, tout nous parle de grand Dieu. Même nous, les êtres humains, et oui, la complexité du corps humain, de l'homme, démontre, révèle l'existence d'un grand Dieu. Tu sais quoi? Dieu est aussi apparu dans la personne de Jésus-Christ. Cependant, on a continué de la rejeter. Alors, il faut tout simplement croire que Dieu est là et qu'il existe même si on ne le voit pas. Avec nos yeux, c'est ce qu'on appelle la foi. Un jour au ciel, ceux qui ont cru en Jésus et qui lui ont donné leur verront Dieu face à face. Il faut tout simplement croire que Dieu est belle et bien. Et maintenant, je vous propose que l'on retrouve notre scientifique pour une petite expérience. Qu'est-ce que ça peut être ?
notre laboratoire. Donc, je me présente, je suis Katie et mon assistante. Bonjour, je m'appelle Lisa et aujourd'hui, on va faire une expérience. Voilà, voilà. Donc, pour ce faire, on a besoin, Lisa, d'un colorant. Voilà, on a choisi du bleu. Voilà, le colorant n'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour que ce soit bien visible. Ensuite, d'un verre, voilà, d'une feuille de sopalin, de quoi remuer. Donc, nous, on a choisi une baguette, mais voilà, libre à vous, vous pouvez prendre une cuillère. Des lunettes, au départ, bon, pour le fun, on va dire. Et puis, un manuel pratique. Le meilleur, d'ailleurs, qu'il soit, c'est quoi? La Bible. Voilà. Alors, pour commencer, Lisa, on va mettre nos lunettes. Voilà. C'est parti. Et voilà. Donc, Lisa, tu vas prendre le colorant et tu vas mettre une petite goutte, histoire de donner une petite couleur à l'eau. Alors, le colorant, c'est vrai que c'est, ça fait des... Ça, hein, des fois, on en met un peu partout dans les mains, mais voilà, c'est bon, Lisa. Tu peux retourner. Tu recapuchonnes. Voilà. Bon, Lisa, elle en a un peu dans les mains. Tu en essuies bien. Elle va remuer avec la baguette l'eau. Remue bien pour que tout se dissout tranquillement. Voilà. Tout. Là, on voit que l'eau prend une belle couleur, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Ensuite, voilà. Merci, Lisa. Je vais te donner. Tu préfères enlever tes lunettes? Je te donne la feuille de sopalin que tu vas plier. Tu la mets, mais pas de... Voilà. Faut pas que... Comme tu as un peu de bleu dans les mains, on va pas trop... Je vais moi-même l'enfoncer pour pas qu'il y ait du bleu qui aille sur la feuille. Voilà. On a mis la feuille dans le verre et je vais plonger le verre dans l'eau. Et donc, toi, tu vas remuer le sardin. Voilà. Tout. Voilà, merci Lisa. Je retire. Alors, on les goûte bien, voilà. Ben même, je vais même essuyer parce que, après tout, hein, j'essuie parce que moi, j'ai pas envie que d'en avoir partout. Et puis Lisa non plus, elle veut pas avoir les doigts mouillés, d'accord. Donc, j'essuie bien le contour du verre parce que, ben, il était mouillé. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit, Lisa? On voit un papier. Voilà, on vous montre. Le papier est toujours là. Alors, Lisa va retirer le papier. La force, Lisa. Ouvre le papier. Ouvre, ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Le papier, il est tout sec. Waouh! Incroyable. Regardez, je vais même vous... Le papier, il n'est pas mouillé. Mais, c'est bizarre, ça. Pourtant, j'ai bien plongé le verre dans l'eau. Voilà. Mais et le papier est ressorti tout sec. Mais comment ça se fait? Est-ce que tu vois quelque chose dans le verre, Lisa? Non. Voilà, il y avait juste un papier. On est d'accord? Je vais enlever mes lunettes, d'ailleurs. Parce que pour voir vraiment... Oui, non, il y a rien d'autre que... Il n'y a rien dans le verre. Il y avait juste le papier. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais oui, j'ai compris. De l'air. Voilà, de l'air. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je plonge mon verre dans l'eau, l'air chasse l'eau. Voilà, donc l'eau ne peut pas rentrer dans le verre grâce à l'air. Et en fait, vous savez quoi? Ça me fait penser à quelque chose. L'air, ça pourrait représenter qui, Lisa? Dieu. Dieu, voilà. Et le papier, tout simplement, ben nous, notre cœur. Et voilà. Et quand Dieu nous entoure, comme l'air a entouré le papier, la présence de Dieu nous protège. Waouh. Oui, comme l'histoire que nous venons de voir. En fait, Daniel, il était dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il n'a même pas été mangé. Il n'y est rien arrivé. Il n'était pas mort. Il est ressorti vivant. Waouh! Eh bien, pourquoi il
n'est rien arrivé à Daniel parce que Dieu était avec lui. Et il a donc protégé. La présence de Dieu nous garde. Et Dieu, il est tout le temps avec nous. Il n'a pas peur. Il n'est pas parti en courant quand Daniel est allé dans la fosse aux lions. Au contraire, il est allé avec Daniel dans la fosse aux lions. Waouh! La présence de Dieu, elle fait de grandes, grandes choses. Elle nous protège. Et vous savez quoi? L'air. Est-ce que vous l'avez vu, l'air? Est-ce que vous voyez l'air? Là, tu vois l'air? Voilà. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Peut-être que tu ne le vois pas. D'ailleurs, personne ne le voit avec ses yeux. Et pourtant, il est bel et bien présent. Il existe. Voilà. Et sa présence, elle se voit dans ce qu'il fait dans nos vies. Voilà, comme l'air, vous ne l'avez pas vu, mais on a vu que l'effet de l'air a chassé l'eau. Donc, pareil, la présence de Dieu dans nos vies, elle a de l'effet dans notre vie. Alors, Lisa, on va voir ce que le Seigneur nous dit au sujet de sa présence. Dans Matthieu, tu prends Matthieu, voilà, Matthieu au chapitre 28 et au verset 20. Ici, Lisa, tu vas nous lire bien fort ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, tu peux répéter, c'est très, très, très important. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci. Dieu, il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Waouh, c'est merveilleux. La présence de Dieu fait de belles choses dans nos vies. Soyez bénis et on vous dit à très bientôt. Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu et que vous avez été bénis. Le défi que je te propose aujourd'hui, c'est de chanter et de louer Dieu tous les jours. Je compte sur toi. Et maintenant, on va danser pour Jésus. Ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna. Il est
Merci Jésus pour ce super temps passé avec toi. C'était bien, n'est-ce pas mamie? Oh oui, quel beau message. Merci pour ce temps passé avec vous. À bientôt.